Bonsoir à tous. Premièrement, je suis très heureux d'être ici au Gabon dans le but de renforcer notre relation bilatérale entre le Rwanda et le Gabon. En même temps, c'est également une opportunité pour moi de rendre visite à mon ami et collègue, le président Bongo, qui ne se sentait pas bien pendant un moment. Et je suis heureux de constater qu'il y a une amélioration significative de son état de santé qui lui permet de pouvoir reprendre ses activités, de reprendre ses responsabilités qui lui ont été confiées. Et comme vous le savez, il est de coutume en Afrique de se fréquenter dans les bons et les pires moments. Et je suis ici à la fois pour une visite au président et au Gabon, comme je l'ai dit, pour le renforcement de notre relation bilatérale. Vous savez, le Gabon a été un centre stratégique dans l'accomplissement d'un certain nombre de visions. Et le président Bongo a travaillé activement pour que notre développement et nos efforts d'atteindre nos objectifs en tant qu'Africains soient établis. Eh bien, les points que nous avons abordés étaient surtout le commerce, l'intégration régionale et continentale, afin de combiner un certain nombre de choses, notamment l'intégration économique, pour que ceci soit bénéfique au continent tout entier. Nous avons vu des progrès significatifs depuis l'inauguration de la zone de libre-échange continentale. Nous avons déjà atteint le quorum et nous continuons de constater beaucoup d'intérêt de la part des autres pays, pas parce qu'ils ne sont pas intéressés, mais juste qu'ils ne voient pas encore la nécessité d'intégrer maintenant. Peut-être qu'ils font face à certaines difficultés auxquelles ils voudraient d'abord prêter attention avant de pouvoir nous rejoindre. Nous travaillons avec notre pays, le Rwanda, et plusieurs autres pays sur le continent, avec pour ambition que cela soit un succès le plus rapidement possible afin que nous puissions en récolter les fruits de cette coopération. Nous constatons également beaucoup de progrès à travers l'Afrique. Il y a déjà beaucoup de pays stables et bien évidemment, vous avez raison qu'en même temps, il y a encore des pays en proie aux troubles. Certaines situations s'améliorent, d'autres sont pires. Et devant tout ceci, nous avons de nouvelles perspectives dans le but de lutter contre le terrorisme et l'instabilité du continent. La participation du Rwanda et la coopération. Sans elle, nous ne pourrons jamais venir à bout de cette instabilité. Nous devons travailler d'arrache-pied et ensemble pour un continent stable et prospère. Partout où il y a besoin de maintien de la paix, le Rwanda sera toujours présent. Je ne dis pas que nous sommes ravis d'intervenir, ça et là, mais je le dis juste que nous participons au maintien de la paix et la stabilité dont le continent a besoin. Et c'est ça notre contribution. La meilleure façon de résoudre les problèmes africains, c'est de travailler avec des institutions africaines et en partenariat avec des pays régionaux.